Bienvenue sur ma chaîne Anne-Lie Crochet, un tuto pour vous montrer comment j'ai réalisé mon sac à main, un petit sac à main. Nous avons un pan qui se compose de trois parties. Donc là, je vous le présente côté envers. Je vais vous mettre des incrustations de photos. Vous avez côté envers, côté endroit, avec un pan avec des motifs, un pan en maille serrée tout simple, un dernier pan avec des motifs. Je le retourne à l'envers. Ici, vous remarquez des petites boursouflures. Cette partie-là va me servir de chaîne de fondation pour refaire un pan à partir de là en maille serrée qui va venir se mettre, arriver à cet endroit-là, de l'autre côté. Ça va faire comme une doublure pour renforcer le fond du sac. Et à l'intérieur de cette doublure, nous allons pouvoir utiliser un petit matériau qui s'appelle de la visseline, qui est une sorte de mousse tissu renforcée pour avoir un fond de sac un peu rigide et assez costaud. Une fois que nous aurons fait ça, nous allons rabattre les deux pans. Donc la partie en maille serrée renforcée sera le fond du sac. Et nous viendrons coudre, faire les coutures. Et puis après, je vais vous montrer pour réaliser la petite anse du sac à main. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Et je vais vous accompagner pas à pas pour réaliser ce sac à main. Pour le rectangle de base, il fait au total en longueur 55 cm et en largeur nous avons environ 30 cm. Il se décompose en trois volets, donc un volet avec les motifs qui vont être le bord vertical du sac, ce qui va correspondre au fond du sac en maille serrée. Donc le fond du sac en maille serrée fait 15 cm et le côté avec les motifs, on va avoir 20 cm et 20 cm séparés par cette bordure qui est faite quand vous avez fait un rang en bride. On va venir faire un rang en bride par l'avant, côté motif, ce qui va créer ici un petit relief que l'on va pouvoir utiliser comme point de base pour commencer à faire un deuxième pan qui va se rabattre. Pour créer la petite rainure, on va faire ensemble, pour vous montrer, j'ai monté une petite fondation en bride. Je vais faire un rang en bride. Ici, je vais faire deux mailles en l'air pour tourner. Et puis, le rang suivant, je vais venir faire des brides par l'avant. Donc, si vous êtes habitué de mes tutos, vous savez parfaitement les faire. Donc, je fais une bride, je vais travailler dans la bride d'avant, en la poussant vers moi. Ce rang en bride par l'avant, vous allez le faire quand vous serez côté motif. Puis je vais venir faire une maille en l'air pour tourner. Donc là, vous imaginez que vous êtes côté motif. Et quand on fait du crochet à rane avec des motifs comme ceci, en faisant voyager des câbles, chaque rang de motif est séparé par un rang en maille serrée, tout simple. Donc je retourne mon ouvrage et ici je vais venir faire mon rang de maille serrée. Et je vais continuer pour faire le fond du sac en maille serrée.
Et c'est à ce moment-là que vous avez créé, vous venez de créer la petite rainure, qui est pas mal puisque du coup, c'est comme une chaînette de fondation avec des mailles qui sont facilement identifiables. Donc vous avez bien le petit épi à chaque fois. Je vais me positionner au début. Je vais introduire ma laine, faire une maille coulée pour le début, faire une petite maille en l'air. Et je vais suivre la petite fondation tranquillement en maille serrée. J'emmène le petit brin avec moi, ça c'est l'habitude. Ici, ce qui est assez pratique, c'est que j'ai finalement pas besoin de compter mes mailles, j'ai juste à suivre les petites mailles que vous voyez ici. J'arrive à la fin. Une maille en l'air pour tourner. Voici ce que ça donne. Vous avez le premier rang qui est fait. Et puis, nous allons faire autant de rangs que la base qui est là. Donc, on peut compter rapidement. On va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On va avoir environ 21 rangs. Je vais continuer. À faire la doublure du fond du sac. Je viens de terminer la doublure du sac. On a un pan qui se promène. Donc là, je suis bien arrivée au niveau de la deuxième rainure. Et je vais pouvoir venir faire un dernier tour pour joindre ce pan à la rainure que l'on voit ici. Donc je vais aller tout simplement piquer mon crochet tout au début de la rainure. On va commencer par une maille coulée. Pour se mettre dans le bon sens. Une petite maille en l'air. Ici, je vais essayer de mettre bord à bord les mailles pour les avoir bien en face l'une de l'autre. Et je vais commencer tout simplement à joindre en faisant des mailles serrées. Et je vais continuer comme ça tout du long jusqu'à la fin. La doublure de fond de sac a été fermée avec un rang de mailles serrées. Donc on a de chaque côté des ouvertures. Et je vous présente la matière qui va renforcer le fond du sac. C'est de la mousse, on appelle ça de la visseline. Je mettrai un petit lien pour vous indiquer où vous en procurer dans les commentaires. À présent, hyper facile, on va glisser la petite mousse à l'intérieur de la doublure. Donc j'ai ici la doublure, la mousse à l'intérieur. C'est de la mousse qui passe à la machine à laver, c'est très pratique. On va commencer à fermer le sac sur les côtés. Je plie mon sac en deux avec les motifs à l'extérieur. Je vais faire attention que le haut du sac qui est donc de ce côté-là, le fond du sac
ici. Je vais faire attention que le haut du sac soit bien à la même hauteur. Ici, si c'est un peu décalé, c'est pas très grave puisque ça se verra moins. Et je vais faire une jointure côté extérieur en maille serrée. Et je vais m'arrêter lorsque je suis arrivée au niveau du fond du sac. Je vais faire une maille coulée. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté. J'ai terminé de joindre les deux côtés du petit sac. Je vais le retourner. Cette fois-ci, je vais prendre mon aiguille à laine et je veux venir faire une couture à travers les quatre épaisseurs en diagonale en suivant un chemin, une petite diagonale sur les côtés comme ceci. Donc je vais commencer au niveau de la boursouflure. Cette fois-ci avec l'aiguille à laine. Je vais faire un nœud bien solide pour le début. Et je vais venir faire une couture qui va aller en biais. Alors c'est un petit peu dur, il faut traverser les quatre épaisseurs de crochet plus la visseline que l'on a mis à l'intérieur. Donc ça va être parfois un petit peu difficile de traverser tout ça en même temps et d'arriver au bon endroit. Je repasse là où j'ai fait la couture, que vous puissiez voir. Donc j'ai cousu vraiment en diagonale et ça forme ici un petit triangle. Je vais pouvoir cacher mon fil. On va faire la même chose de l'autre côté. Les petites photos en incrustation dans la vidéo. On a fermé les côtés du sac. Voici. On retourne le sac à l'endroit. On va faire un tour de finition en haut du sac pour avoir une belle lisière. Donc je vais me positionner pas tout à fait ici, je vais me positionner par ici. On va introduire le fil. Je vais commencer par une maille en l'air. Et puis, je vais faire tout simplement un tour en maille serrée, tout autour. J'ai fait un tour complet en maille serrée. Je vais refaire un tour complet, cette fois-ci en maille serrée également, mais en travaillant le brin arrière. Pour ceci, j'ai le brin entier qui ressemble à un épi
je vais aller travailler, je vais laisser le premier brin et je vais aller directement, je pique au milieu et je vais travailler le brin arrière qui se trouve ici. Et je vais faire un tour complet en maille serrée. J'ai terminé un tour complet en maille serrée par le brin arrière. Je vais continuer à présent, donc peu importe le début, c'est pas très grave. On va faire des rangs de mailles serrées tout autour. On va en faire à peu près une dizaine peut-être, de façon à avoir environ 5 cm au-dessus. J'ai donc continué à faire des petits tours en mailles serrées. Je ne les ai pas comptés, mais voilà, j'en ai fait pour environ 3 cm, 3-4 cm. Ce tour, ces tours supplémentaires en mailles serrées, la finalité, c'est de le rentrer à l'intérieur du sac. Ça fait une finition. Et surtout, ça va créer un renfort. Renfort qui va servir à bien maintenir les poignées du sac à main pour éviter que ça se déforme et que ça bouge un petit peu dans tous les sens. Donc c'est un renfort supplémentaire qui va contribuer à la bonne tenue de votre sac à main. On va passer à la fabrication de la poignée. Donc c'est un boudin torsadé, c'est très joli. Je vais continuer la fabrication de la poignée jusqu'à ce que je sois satisfaite de la taille. Donc bien évidemment, je vais faire la même taille que la première poignée qui fait au niveau des torsades 28 cm. Puis je rajouterai les 5 tours en maille serrée normale. J'ai terminé ma deuxième poignée. Donc de chaque côté, on a 5 tours en maille serrée par le brin arrière. Donc je prends mon sac. Alors ça tombe bien. Ce qui tombe bien, c'est que mes motifs sont en triptyque, un motif central, deux motifs secondaires sur les côtés, ce qui va me donner un repère et je vais fixer les poignées au niveau des câbles qui séparent les trois panneaux. Je prends une corde, alors c'est de la corde de bricolage que j'ai achetée chez. Dans mon magasin de bricolage à côté de chez moi. C'est pratique puisque c'est de la corde qui coûte pas cher. Et je vais. Alors, pour mettre mon morceau de corde à l'intérieur, je fais un nœud autour du crochet et je vais aller enfiler le crochet à l'intérieur. Là, je pousse mon crochet intérieur du boudin. Il est là. Voilà, je vais. Il est passé ici. Je vais le fixer avec mon reste de laine. On va faire un nœud. Un double nœud de ce côté-ci. Un double nœud de l'autre côté. Je vais prendre ma première poignée. Je vais la positionner comme ceci. Voilà, je vais faire attention. Je vais commencer à faire ma couture. Je m'occuperai de cacher le fil après. Surtout, à ce moment-là de la couture, je fais attention de prendre également le petit rabat de renfort
que j'ai rentrée à l'intérieur du sac. Et je vais repasser une couture à ce niveau-là. Je m'assure bien que ma poignée, mes poignées vont être bien fixées. Comme ça, ça va être très solide. J'ai bien cousu tout autour, donc ça fait un carré. J'ai bien fait attention de prendre le renfort qui est rentré à l'intérieur. Je m'arrête ici, ça m'arrange puisque ici je vais pouvoir faire des nœuds. Voici. Donc je vais coudre l'autre poignée. La même chose évidemment de l'autre côté. Et puis, je vous retrouve dans un petit moment pour vous montrer le résultat final. Une petite touche finale, on va mettre un petit fermoir aimanté. Donc, j'ai déjà posé la partie femelle. Je me suis servi du petit rabat de renfort pour le fixer, c'est bien pratique. Ça se présente comme ceci, avec une petite rondelle pour protéger. Ça va venir en face, donc je vais le mettre face à face. Voilà, je vais venir poser de l'autre côté la petite rondelle. Vous avez les deux parties, les deux picots qui viennent, qu'il faut rabattre. Donc je commence déjà à les rabattre avec mes doigts. On sort les outils de bricolage et on vient pincer. Voilà, très facile. On va bien pincer la petite chose. Et voici une petite fermeture. Alors vous pouvez en mettre plusieurs. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je suis en train de prendre de la hauteur pour vous montrer les deux poignées, le dessous du sac. Et voici, j'espère que ce tuto vous a plu. S'il vous a plu, un petit like et j'espère à bientôt pour d'autres découvertes au crochet. Au revoir.